coucou tout le monde. Je crois que ça va partir sur des bonjours de plus en plus abracadabrants. Ça se dit ça? Bref, donc là il est presque 11h. Ce matin, en gros, hier je me suis couchée à 2h pour finir mon livre Millennium. J'ai hâte de lire le 2. Ensuite, là, donc après, je me suis réveillée à 8h. J'ai fait mon vlog. Là, je vais manger et tout et je vais partir pour voir pour un job l'année prochaine. Je sais pas encore trop ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, encore une fois, ça va être un vlog un peu chill, mais bon, après, ça va bien y aller quand on sera en Angleterre. Donc voilà, je suis trop triste parce que mon chien il reste chez moi avec mes grands-parents. Mais voilà, c'est la première fois que. Enfin, non, moi je suis habituée, mais c'est la première fois qu'il va se retrouver sans mes parents et tout. On l'a toujours emmené en vacances, mais bon, faut savoir que c'est un chien très très cool. Genre, en plus, on part que 3 jours, donc ça va. Ma caméra, la qualité est nulle, mais c'était pas prévu dans le contrat en fait. On va essayer d'arranger ça. En attendant, on va vous emmener dans notre. Non, frère, enfin, mange pas ça. Bah, c'est bon. Bah, on fait chauffer. Puisque je me suis ruinée pour acheter un appareil photo qui ne fait même pas le focus sur ma tête et qui fait des grains, nous allons simplement donc manger une courgette. Et il nous a aussi été abandonné par notre famille et des pâtes. Oh, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois si on va voir ma soeur Marine. Oui, j'ai le droit de dire son prénom. Oui. Non, j'ai trois petites soeurs. Voilà, mes deux petites soeurs, c'est sûr qu'on les verra jamais sur ma chaîne. Enfin, pas du tout tout de suite parce qu'elles sont encore jeunes. Et en plus, genre, même si j'ai commencé jeune, les vidéos à l'époque YouTube, ça prenait pas cette place dans la vie des gens. Enfin, c'était pas du tout le même rapport aux vidéos. Et oh! Mais vas-y, vous la voyez sur Insta. Non mais si on t'aperçoit, vous la voyez. Non, j'ai pas envie. Non, ok, ok. En gros, vous la voyez sur Insta parce que ça pose pas de problème, c'est des photos. C'est juste que en fait, sur Insta, je choisis ma tête. Ouais, voilà, c'est ça. Que sur une vidéo, on met pose sur ta tête, t'es systématiquement moche. Hein. Oui, enfin bref, moi je m'en fous parce que je m'en fous de mon physique. Non, mais c'est juste que j'aime pas, voilà. Je trouve ça gênant. Justement, je trouve ça entretient un peu un mystère, vous voyez. Et oh là, mes parents, n'en parlons pas. Hein. Là ils n'apparaîtront jamais sur ma chaîne. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire des vidéos avec ma famille. MDR. Moi, déjà, ça donnerait rien la vidéo près du. Non ma petite soeur, mon autre petite soeur elle voudrait trop faire des vidéos avec moi. Mais genre même si. Chloé. Mais elle est trop. Enfin c'est trop jeune, genre maintenant YouTube c'est devenu trop dangereux pour les petites. Non, mais... Il fait froid chez moi. T'as des économies de chauffage. Oh coucou. J'ai carrément arrêté de suivre tout ça. Mais il n'y a plus les embrouilles à la Juste Zoé et Chloé B, là, je sais pas quoi. Mais non, c'était Romy. C'est Romy et Chloé B. Mais maintenant, ils sont. Elle est pas ta gamme et tout. Et de toute façon, je pense que maintenant, les gens, ils ne le disent plus sur YouTube quand il y a des embrouilles. Bah, tiens, on a qu'à parler de Gossip YouTube. On va parler de Gossip YouTube. Il y a grave un problème parce qu'il n'est pas objectif. Vous voyez, j'ai rien contre le fait qu'ils protègent la vie privée des youtubeurs et tout, je trouve ça très bien. Genre vraiment tant mieux parce que je trouve que c'est dangereux, sinon il y a des trucs qu'on peut rien à faire sur YouTube. Mais je trouve que c'est vraiment que... T'en veux beaucoup? Ouais, je vais en mettre à la moitié. Que dans certains cas quoi. En soi le mec il a l'air cool, mais en fait je comprends pas pourquoi il se lance pas dans ses propres vidéos parce qu'il a des putains de temps hein. T'as vu ses miniatures, même ses montages, ils sont super bien, ils se débrouillent mieux que la plupart des youtubeurs montage. Un peu comme le roi des rats, tu vois. Le roi des rats, il a vraiment utilisé ce qu'il savait faire et tout, le fait qu'il avait des bons montages et tout. Pour faire des vidéos d'ailleurs, il est parti en Corée du Nord. Que même si YouTube c'est fait pour divertir, je trouve que faut pas qu'on trop. Enfin maintenant, on peut tellement faire des trucs bien grâce à YouTube, et je vous dis ça, je suis en train de parler dans ma cuisine, dans ma mère avec ma soeur. Mais regarde, c'est de la frite, regarde le roi des rats, ils ont. Je suis carrément utilisé leur notoriété. Non, oui, mais en fait, j'hésite à aller me chercher des légumes en bas. Non, pas vraiment. C'était la petite discussion, je vous emmène. Donc, je vais vous faire visiter mon sous-sol. Mais je sais pas. Faut savoir que moi, j'adore avoir des discussions comme ça avec les gens. J'adore parler. Par contre, si vous me croisez une fois, genre. Vous penserez que je ne suis pas la même personne qu'en vidéo parce que c'est vrai que. En gros, quand je prends en compte les gens ou quoi. Bah je parle pas, genre j'observe. Vraiment je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et je compte pas changer ça parce que je trouve que quand t'observe ça te permet de carrément... Qu'est-ce que c'est que tout ça? De carrément avoir une... Oh, le colombo de légumes. Oui mon bibou. Bref, j'ai trouvé le colombo. C'est mon truc préféré. Donc voilà notre repas. Mais t'es déjà fini? Oui. J'ai encore fait.
n'importe quoi, tire-lui la tête. On dirait un canard. Bon, alors là, on part sur une prise du volant. Vous m'avez bien regardé. J'ai pas conduit. Alors, j'ai juste conduit hier, genre 10 minutes, non, 20 heures. Sinon, j'ai pas conduit depuis 4 mois. Depuis le jour de mon permis. Bienvenue dans la Coco Mobile. Bref, donc aujourd'hui je suis allée réparer mes lunettes parce que je suis très productive. Voilà. Ensuite j'ai reconduit, vraiment ça me fait trop plaisir. Alors pour vous expliquer un peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette folle aventure que j'ai pas trop partagée, j'en ai parlé une fois en vidéo, mais je vous ai très très peu parlé de cet événement dans ma vie. Le permis. Donc cet été j'ai passé le permis pendant que tout le monde était en vacances. Moi j'étais pendant 2 semaines à Rouen. Bon, aucun problème, hein. Je me sentais un peu alone. Et en fait j'ai passé mon permis, je l'ai eu. Dieu merci. J'ai jamais fait la conduite accompagnée et tout. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment reconduit depuis que j'ai eu mon permis. Et mes parents veulent pas que je prenne la voiture toute seule, ce que je peux comprendre parce qu'en soi, je n'ai pas de problème avec la conduite à fond en parler, respecter le code de la route, tout ça, tout ça. Mais et c'est exactement pareil quand je suis à pied ou en vélo. Donc moi j'ai arrêté de prendre le vélo. Genre Lille, tout le monde en vélo, moi je ne suis pas en vélo, je suis à pied. Je ne sais pas par où aller. Ce qui fait que je me bloque et je m'arrête au milieu de la route. Je ne l'ai jamais fait en voiture, mais genre, moi c'est ma phobie. En fait je suis tellement focalisée sur le chemin que je vais devoir prendre après, enfin, c'est hyper dangereux et je suis la pire des conductrices quand je suis à côté de quelqu'un, je suis horrible quoi. Je sais pas ce soir, je crois que je vais lire Harry Potter. Ça date un peu, hein. Et demain je vais préparer ma valise. Bon après j'ai pas grand chose à préparer étant donné que je suis venue avec très peu de choses sur moi aussi. Hier j'ai fini Millennium. C'est un épouvantail, j'ai fini Millennium et c'était grave cool. Franchement c'est grave bien. Et il y a une suite donc je suis contente. Et aussi je voulais vous montrer, ma femme de ménage elle est trop cool, vraiment trop gentille. Ah, elle nous a offert chacune avec mes soeurs des petits cadeaux. Et genre moi j'ai mis un savon à vanille. J'ai eu un parfum à la vanille, donc ça sent assez fort, mais moi ça me rappelle toute mon enfance parce que j'avais mes potes d'enfance qui avaient un parfum à la vanille au chocolat. Marie Margot, si vous connaissez. Et genre vraiment ça me rappelle quand j'étais chez elle, quand j'étais petite. Ça date. Vraiment c'est une triste période. Bon, c'est pas triste, hein, mais je faisais des cours d'anglais. Putain, j'ai commencé des cours d'anglais super tôt et j'étais déjà la plus mieux. Et après, une huile sèche, donc je suis trop contente. Ouais, je suis très contente. Moi, on m'offre des trucs comme ça, je kiffe. En fait, on m'offre des trucs genre complètement incongrus. Je me suis auto-acheté ça aussi à Primark l'autre jour. D'ailleurs, trop bizarre. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un message ou je sais pas quoi. Non, enfin, oui. Et qui m'a demandé si j'étais à Primark. Mais moi, Enfin, c'est trop bizarre. Je me dis, il y a des. Enfin, ça arrive pas tout le temps, hein. Mais que de temps en temps, on me croise. Donc, moi, je suis en mode genre. Dégueulasse au milieu du Primark. En train de, genre, je sais pas, d'être complètement empoé parce que chaque fois j'erre dans les rayons. Ça me désole un peu, Primark et tout, mais bon, bref. Voilà. Les gars, je vais clôturer le vlog ici parce que. Après, je vais aller me coucher et tout. Dites-moi si vous avez kiffé que je vous mette un peu dans. Comment dire. Une petite discussion avec ma soeur. Je sais pas si c'est très clair. Un peu vous introduire dans ma vie, en gros. Je trouve ça cool parce que quand je parle toute seule, enfin, c'est un peu voilà, redondant et je me dis ça vous permet aussi de me voir un peu sous un autre angle à mon avis. Bref, dites-moi si vous aimez. Et voilà. Oh putain, je suis fatiguée. Bon, je vous fais de grosses bisous, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta et à ma chaîne.